Ciel trop prenant. Ben, le doigt, ça permet de flouter aussi. Des fois, on obtient une précision beaucoup plus grande qu'avec un pinceau. Et il a déjà beaucoup plus de présence comme ça. Tu vois. Le ciel était trop fort. Là, c'est bien lumineux. Là. Ouais. Ouais, là, il a gagné de la lumière. En fait, le thème, c'est petit garçon avec une poupée. Ben, c'est aussi un peu une, pas une allégorie, mais une représentation des caractères de l'homme. Ça peut être inquiétant des fois. Il a trouvé sa poupée, donc il l'emporte et on ne sait pas ce qu'il va en faire. Voilà, c'est ça. Il ne sait peut-être même pas très bien lui-même ce qu'il va en faire, mais. Ben, ça permet aussi de parler de la violence aussi des hommes. Ça peut évoquer aussi les raptes d'enfants, quelque part. Parce que la poupée, je vais la rendre. Au début, j'avais fait une petite poupée, mais je vais rendre une poupée presque une petite fille ou une petite femme. Une petite femme, plus exactement. Mais moi, ce qui m'intéresse toujours, c'est l'ambivalence entre la violence et la sensibilité. Souvent, chez les gens violents, il y a une sensiblerie exacerbée. Moi, j'aime bien. Ça m'a toujours intrigué, ça. Mais quand j'étais petit, j'avais un livre sur des contes de Grimm, et un livre qui devait dater des années 30-40, et c'était absolument terrible, des illustrations presque cauchemardesques, des gens qui tombaient dans les ronces, enfin, des loups, des... Et ça m'est toujours resté, j'ai toujours aimé le fantastique. Donc le paysage, ben oui, ça rejoint les contes. Voilà, donc là je vais assombrir mon personnage. Il va être plus inquiétant. Voilà, je garde du bleu du ciel parce que ça permet d'avoir des harmonies après qui se tiennent, cohérentes. De garder les couleurs. Continue.
Thank you.